Mbokanaye, avant la place dans Mbokanaye. Bonjour, chers frères congolais. Mais allez dire à Félix qu'il est malade. Il veut nous faire rentrer où? Pour qu'on fasse quoi? Il y a la nourriture d'abord pour manger. Baoyo bazana Congo. Hein? Bazoliana nouté. Et puis nous, on va laisser toutes ces histoires ici. On rentre dans un pays pour manger quoi? Les Chikwanga. Mais il doit être malade. Dites-lui, les conseillers, conseillez votre président. Il est malade. Il y a épaisseur à Raboué. Il y a Félix aux Alibomas. Président. Oh, tozonga. Bye. Je te demande d'être sérieux une fois dans la vie. Tozonga. Ah, mon frère. Ah. Raisonnez bien. Soit comme président, on a ma priorité. Quiz? Ou bien Chikwanga? Hein? Tozan bloko a goulé à nous. Avant nan tozo zone ma kamba kozonga. Tozan toli anin. Mais dis, soyez sérieux quand même. Hein? Félix, sois sérieux. Bonjour. Dans la vidéo, je vais répondre à président Félix sur ce qu'il dit par rapport à vos propos naïfs, selon lesquels il met un terme à l'exil des Congolais. Il met un terme au refuge, au déplacement des Congolais. Et à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Je me suis posé mille et une questions pour savoir si le président de la République a mesuré à qui la portée de ses propos. Et si il a consulté ses conseillers, ses experts naïe, ou si ses conseillers wana n'est pas comme là qui est discours wana, tenant compte d'une ligne politique au Bango Balingi qu'a adopté. Mais c'est que la conclusion à laquelle j'arrive moi-même, c'est que soit il ne les a pas consultés, mais que soit il les a consultés, mais que Bango et Wana peut conseiller Naye, ce sont basés sur les réseaux sociaux et si qu'un insultologue et il y a UDPS, basali qu'on déverser les diatribes contre les Congolais, parce que tout simplement il faut rire à pouvoir les accuser Bango. Alors que les propos que vient de tenir le président de la République engage la vie de plus de 14 millions de Congolais. Je ne sais pas s'il a mesuré, il mesure les propos de la portée de ses propos. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les experts et leurs chefs de l'État n'ont pas pu consulter les grands dossiers qui traitent des questions de déplacement. Au jour d'aujourd'hui, la RDC, dans un rapport il y a 2018, Oyo RDC a ouït à Bouyaki Kokende na Genève pour la conférence annuelle liée à nos déplacements en Mboka. La RDC compte, ça c'est les rapports des ONG tant nationales qu'internationales, la RDC compte de 230 000 à 4 millions de déplacés internes. Dans le Zoloba, 4 millions, c'est un peu comme tout le pays du Congo-Brazzaville. Et là, le coup de joue à Gabon deux fois. Pour Gabon, il y a 2 millions et quelques. C'est comme si tu prends la République du Gabon deux fois. Des bah, déplacements internes. Voilà, toujours le bah, réfugié. Au bah, quel mambo comme souté. Interne. Félix Tshisekedi ne s'est pas posé la question de savoir comment les Congolais sont exilés sur leur propre sol. Qu'un matin, un Congolais, à Longwe Yumbi, a traversé à quel Congo Brazzaville. Vers une destination inconnue. Moi, na Kamonia, Chika, Pasumbula, Kamako, va, ma parent ne bakoufi, ma bomi bango, l'enfant va vers une destination inconnue. Moi, na Beni, Boutembo se réveille un matin, son parent, ma bomi, ma parent naye, l'enfant fuit dans la forêt, vers Ouganda, vers une destination inconnue. Ba Ndekonabiso, ba Emma, ba Lendu, un matin, ils vont fuir la terre de leur patrie.
Tshisekedi ne s'est pas posé ces questions-là lorsqu'il prononçait ses paroles devant les responsables de l'Union africaine. Quelles sont les causes? Il y a déplacement, il y a bandico. Ils allaient à l'intérieur du pays, ils allaient à l'extérieur. À l'extérieur, on estime les Congolais à plus de 10 millions de Congolais vivant à l'étranger. Quelles sont les causes qui poussent les Congolais à quitter leur mère patrie, mort dans l'âme, pour n'avoir aucun débit, c'est qu'ils ne sont pas réfugiés. Ça peut être des guerres. Parce qu'il y a des massacres. Parce qu'il y a des persécutions. Il y en a qui partent tout simplement parce qu'il y a spoliation. Il y a pas bien à Bango. Et ils ne trouvent plus important de vivre dans Mboka na Bango parce que c'est l'État et leurs animateurs de Bakoubi ba prédateurs sur ces populations. Je vais vous donner quelques cas. Kloutou, Félix, Tshisekedi, je vais vous donner quelques cas. Je vais prendre le cas le plus récent. Bana ya Yumbi. Kabila les ramène la mort. Bakéi. Deux peuples qui, il y a un siècle, ils n'ont jamais eu d'affrontement. Chikapa, Bachoko, Baluba, Batetela. Il y a plus d'un siècle, les conflits étaient de basse tension. Nous pourrions dire des moyennes tensions. Et depuis lors, nous vivons en parfaite harmonie. Baluba, Bazarana, Lodja, Bamoudou, Bassouma, Badiame, Panadusona, et Panangana, Lodja. Ils nous ont appris même à comment acheter du diamant. Baluba. Ils sont là-bas, ils se sont mariés. Ngana, Tanganaba. Moi, un ami qui est au Canada, qui a eu des pertes jusqu'à mourir, docteur Denis Moulson, c'est un ami avec qui on joue. Baba et Abou Tambo. J'ai énormément d'amis. Ndekonanga ya moi, si mon voisin a eu des pertes, on a aimé le Wadji. Ami d'enfant, tu as mis ta calabi, tu as mis ta calabi, tu as mis ta calabi. Il n'y a jamais eu de problème. Kabila nous a introduit la division dans ma brigade. Mais je vous donne un exemple, Félix. Tu es allé dans le sud, Kivu. Territoire de Kabambare. De Kabare, je vais dire. Le territoire de Kabare. Kabila arrive dans le village, dans le village où il y a Kazingo, na Amsar. A Botoli population, plus de 20 000 personnes. A Botoli Bango village, Mibimba, il a pris ça pour lui. Ça, c'est un cas, il y a lobby, lobby, toujours vivre Kawana. Mais qui sont ces populations? C'est des Congolais. Il y a Kivu, il y a Sud Kivu. Ils ont vu Joseph venir traverser le Rwanda, à Yena, Fidel, à Lekiwana. Et le même Joseph devient président de la République. 18 ans après, il n'a résolu aucun problème social et à peuple Wana. A komi ndambongo, a komi mokunzi, il revient à eko botola, bana ya mboka, mabele ya bakoko na bango. Il a détruit des hôpitaux, vous avez vu, il a détruit des écoles. Alors que, soko ke na Shabunda à l'ouest, un peu plus à l'ouest, entre Kalehe nord, un peu plus au nord-est, na Walikale, précisément na Makinene na Isangi. Il y a un vaste territoire, Oyoya, Kokaki Kozoa, même plus de 40 kilomètres, Azuya, même 100 kilomètres Azuyango, passe à Liba ferme naï. Qu'est-ce qui fait que Kabila provoque l'exil des Congolais sur leur propre sol? Ça, c'est un cas personnel, Kabila, avec son propre peuple, entre guillemets. Yo, Félix, tu as préparé les conditions dans lesquelles ces populations en conflit avec celui que toi tu rends hommage pour que la paix puisse rentrer. Tu as préparé et tu t'es posé la question de savoir où se trouvent ces populations. Un deuxième cas, c'est moi qui te parle. Timothée, moi je suis réfugié en Belgique depuis 2013. J'ai mes papiers. Je suis étudiant là-bas aussi. Je suis étudiant. Famille Nanganyon, Sotozali, Ngaïna, Madame et Nabana, Tozakuna. J'ai été chargé de la mission de Joseph Kabila entre 2006 et 2011. J'ai beaucoup vu. J'ai dénoncé à l'intérieur. Je livre ici un tout petit élément. L'auteur du rapport de la vente des armes, du trafic des armes, c'est bien moi. Contre Tango Fort, j'ai déposé sur la table de Kabila. Yo lobi na gana zonga. Est-ce que les conditions sont réunies pour que je rentre au pays? Tango Fort, Azali, tout puissant, Kabila, tout puissant. Tu voudrais que je rentre? Je ne veux pas m'apesantir sur ma situation. Je suis déjà en sécurité en dehors du pays. Mais moi, j'ai tout au pays, tout au Congo. Et en dehors de ça,
Je suis en exil, moi qui suis le prince héritier, y a Mboka Nanga. Je me considère en exil avec tout mon royaume. Un autre élément. Banao ba kaya beni butembo ba kaya ba traverser na ba pays voisins, notamment Uganda. Bana itulu wana ba ndikula biso ba hema wana ba kimi ba ndikula biso ba lendu ba kimi. Toi tu as prévu mécanisme nini pour bande ko wana bazonga. Parce que c'est lui qui vend les armes là-bas, c'est Kabila. Pour que bande ko wana ba s'entretuer. Na lina tuna yo mutuna. Kabila fait tuer aussi Mukendi. Il fait tuer son père. Il fait disparaître son jeune frère. Il y récompense, je veux dire, Denise, Zouki Dembolo Kesso, policier, on a matissé grade pour vous montrer que je récompense ma bourreau Nabino. Toi, tu as prévu la justice à cette famille qui a été détruite systématiquement à Kinshasa? Tu veux que nous puissions rentrer alors que bourreau Nabino Azaliwana? Tu veux que nous puissions rentrer à l'abattoir? Toi, tu as abandonné le peuple pour te marier à Kabila, alors que nous autres, nous avons abandonné Kabila pour soutenir ce peuple. De quoi est-ce qu'on parle, Lelo? Nalina Tounayo, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Bassi Nabangonos Bazana exil, pour le cas de Floribert Chebeya, Fidel Bazana. Tu as prévu la justice à cette question-là? Ndekonabiso moko ya zoki courage à témoigner. Paul Mulambo major wana kimaka, il est à une destination inconnue, on ne sait pas là où il est. Tu as prévu de mécanismes pour rendre justice aux Congolais alors que les bourreaux sont devenus tes conseillers? Joseph Kabila nous tue. Il considère ce pays là comme un butin de guerre. Or plus de 4 millions de Congolais déplacés internes. Plus Bissot, entre 10 et 12 millions de Congolais vivant à l'étranger. Plus bah, Congolais ou bah, vota qui, yo Félix Tshisekedi, vous nous déclarez une guerre. Et donc, nous prenons acte. Quel élan tu nous rappelles vers l'abattoir pour Moutouane Akoboma Bissot? Oh, yo, comme il faut rendre hommage. Le criminel le plus attitré, un bandit qui considère ce pays-là comme un butin de guerre. Il peut arriver ici. Banda ou Atia. Vous voyez que na Katanga Kuna, il a, je ne sais pas quelle route là, à Zouaki. Une très grande partie. C'est comme un parc animalier. Moi, il a commencé à parc na Ekuna. Il a même clôturé, jusqu'à clôturer une mission catholique à l'intérieur. Basango Balobito Kulongwate. Un type comme ça qui devient pratiquement comme un malade. Nde yo, zo rendre hommage. Ndozo senga ba Congolais bazonga nakati. Conséquence, il y a déclaration na yo. C'est que na bandeko o bazali en situation de régularisation na mboka wana. Mundele mboka na yaye comment en panne, hein? Les lobes ils sont en crise, ils ne veulent pas des Africains, ils ne veulent plus. Hein? Donc, toi tu leur as donné l'occasion pour que les Congolais ba comme apatrides. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de terre. Eh bien, Ngai naza ko lancer appel na ba Congolais nyonso ya extérieur ya mboka. Bande konangai pour exister. Il faut lutter et il faut résister. Félix Tshisekedi oyazali l'autorité morale ya FCC na cache lelo a déclaré biso guerre. Organisez-vous bisika bozali. Cessons d'être idiots, distraits na ba Makambuka. Félix a commis l'idiot utile au Kagame, na Kabila basa utilisé pour na maintenir biso libanda ya mboka. Nous sommes plus de 14 millions to banda mutu na mute siko zalitia 1 dollar ou 1 euro. Tindela moninga na fait ayez à un moment donné le sens de la patrie, il n'est pas normal que baso bomana beni. Nous sommes un corps, nous sommes une nation. Quand on tue à Beni, yo Vandinye, yo na Kinshasa Vandinye, quand on tue à Butembo, yo Kuna Félix le président, quand l'élo na moya l'élo, na Lusambo, 3 morts, 4 morts, Bitumba, Mende, azo bomisabato, Félix a lobby, Tozonga. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Mes chers compatriotes, organisons-nous pour chasser ces gens-là. C'est une bande
des malfaiteurs basali à la tête de l'État. Félix ne pouvait pas, à moins d'un mois de pouvoir. Sauf que le bon, je n'ai pas encore effectivité dans le gouvernement, ma structure n'a pas mis en place. Il aurait dû tout simplement dire cette question des réfugiés est une question, est une épineuse question. Nous avons acte pour voir dans quelle mesure établir un dialogue dans le Congo, dans l'Ibanda. Au même moment, créer des conditions dans lesquelles Bazonga, calmement, qui m'a en dehors du pays, dans le procès bidon. Je ne parle pas ici de Katumbi parce que dans les documents, on parle de lui comme d'un cas emblématique. Mais on a des millions de Congolais qui sont hostiles à ce régime-là et que ce régime a poussé à l'exil. Au Bangobatik, à la Piemboka, avec vous, les nouveaux riches. Mes chers compatriotes congolais, Bino Ozali Banda Amboka, est-ce que vous pouvez vous organiser? Balobi, les Congolais ne peuvent pas s'organiser. Est-ce que chaque jour, Bozaka na Belgique, Rwanda, Italie, France, partout, Afrique du Sud, Zambie, Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, parce que nous sommes allés à Chine, nous tenions à Kenaka restaurant en Liaka. Au lieu, au Beni, Baninga, 20, 30, 100 euros, au lieu. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre de côté chaque mois, ne serait-ce que 5 euros, ne serait-ce que 1 euro? Et si nous avons, nous, en un mois, Totier Tembe, 1 euro par Congolais, Libanda, Amboka, nous n'aurons pas 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros. To bengana bande kowana, Oyo bazali ba, au service du mal. Ezo salanga pas si mingi. Mais je crois fermement aux Congolais qui vont prendre conscience et to kozali sous ba kan, ngolete, mais touzali bane à Congo, dia touti la, peut-être kotele ma pour en sauver Mboka na biso. Merci infiniment. Bonjour cher frère congolais, mais allez dire à Félix qu'il est malade. Il veut nous faire rentrer où pour qu'on fasse quoi? Il y a la nourriture d'abord pour manger. Baoyo bazana Congo, hein? Bazoli en a nouté. Et puis nous on va laisser toutes ces histoires ici. On rentre dans un pays pour manger quoi? Les Chikwanga. Mais elle doit être malade. Dites-lui, le conseiller votre président, il est malade. Il y a épaisseur à boire. Yo, Félix, vous avez le bon moment. Président. Oh, tozonga. Bye. Je te demande d'être sérieux une fois dans la vie. Oh, tozonga. Totika. Ah, mon frère. Raisonnez bien, soit comme président, vous avez une priorité, vous avez une priorité, vous avez une priorité, vous avez une priorité. Vous avez une priorité, vous avez une priorité, vous avez une priorité, vous avez une priorité. Vous avez une priorité. Est-ce que vous avez un Congo, un restaurant ou un bino à Congo? Aussi, vous avez un burger. Vous devez être malade. Oh, bozonga, vous avez une priorité. Vous avez une Tolianin. Quiz. Ou bien Chikwanga. Hein? Tous en bloc à Golianan. Avant de raisonner, ma gamba Kozong. Tolianin. Mais dis, soyez sérieux quand même. Hein? Félix, sois sérieux.